En gros, tu joues un mec de la CIA, donc dans les années 70-80, et j'adore la musique. Et t'es comment dire, t'es transporté dans des pas dans des corps, mais dans des, enfin, dans des aventures d'autres persos, on va dire. Et donc t'en as un où c'est juste ultra flippant, t'en as un où tu peux te défendre, enfin maintenant tu peux te défendre, et t'as lui où là où on va reprendre, où tu chasses un... D'ailleurs on va y aller, hop. Où tu chasses littéralement un communiste. Un sale méchant communiste. Hop, gaming, c'est normal. On peut encore faire la scène. Pas trouvé. Hop, The Beast Inside, voilà. C'est bon, t'es bien? Oui, t'es bien. Ok. Le son. Oh bah là je peux voir le son. Oh, mais non. Là. Voilà. Oh le son a l'air un peu fort. Ça a enlevé ce que j'ai mis. Bah non pourtant. Chasser des rouges, meilleur jeu du monde. Ah bah ça, je sais que ça plaît à certains. Hein. Genre Momo. Putain, j'arrive pas à mettre à 40. Bon, si c'est trop fort, je rebaisserai, mais... bah continuez. Hein. Et du coup, je m'étais arrêté à un endroit parce que je trouvais pas la sortie, alors que c'est tout court en fait. Alors j'espère que je vais pas devoir tout me retaper. Ah si, j'ai un fusil galactique du futur, je sais pas, c'est chaud. Bah ta gueule. En gros, j'ai des problèmes de couple, problèmes de travail, on m'espionne. Pff, c'est la merde. Il y a des énigmes compliquées aussi, genre il y avait du latin à un moment, j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'étais con, c'était dur. Il y avait aussi une énigma. Ouais, je crois que c'est ça le nom. Ça, j'ai bien réussi ça. Là, je pourrais être un bon agent de la CIA. Par contre, faut charger un jour le jeu. Je t'en supplie, STP. Ne m'écoute pas, mais faisons comme ça. Non? Ah si, ah c'est bon. C'est bon. Je sais pas du tout où je vais reprendre. Ah ok, c'est encore en... Ok. What? Oh là. Bah... Quoi? Attends, c'est quoi l'objectif là? Trouver le localiseur. Localisateur. What? What? Ah putain, ça m'a remis là. Ah, fait chier. Non, c'est pas grave. Speedrun un peu. Du coup, j'ai ça là. Je peux voir des fragments du passé. Littéralement. C'est par là, non? Non, c'est pas vrai, c'est par là. Ouais. Faut que je fasse le tour. Attends, je sais pas, ça m'a fait... Attends, je suis paumé. Putain, merde, mais ça m'a remis où? Je sais plus ce qu'il faut que je cherche là. Oh, fais chier, merde. Mais. Bah... Ouais, je sais, c'est par là, mais. Je vais faire le tour. Ah, j'aurais dû trouver la solution avant de couper la dernière fois. Ah si, c'est bon, putain, mais ma gorge, elle casse les couilles. Y'a quelqu'un qui a pas une gorge fraîche à me filer parce qu'il y a la mienne qui a pas envie de vivre. Ah si, non, bah c'est pas ça. Bon. Du coup, c'est là où je me suis arrêté et je savais pas où c'était. Et en fait, c'est tout con. Ah, c'est là. C'est ici, voilà. Slip through here. Time to suck in my gut. Eh ben, let's go. J'ai du miel si tu veux. Ah, let's go, mais carrément. Ah, un bon petit lait chaud au miel là, mais que de plaisir. Donc ouais, que je résume.
Pour l'instant, t'as en protagoniste, t'as le mec de la CIA, avec son antagoniste, un communiste. T'as un jeune des années 30, je crois, si je dis pas de conneries. Et l'antagoniste, c'est. Je sais pas, un médecin fou qui veut te tuer. Dans un monde de fous, j'ai pas compris. Ok. Oh là là. Oh, l'entreprise est périlleuse. Oh. Ok. Ok, c'est bon. Associé en anglais, bah j'y peux rien. Oh là là. Oh là là. Ok. Ok, merci d'avoir mis de la peinture. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que ça fout là ça? Bon là c'est les... Là on commence dans la période un peu moins flippante. Mais t'inquiète. Quand la flip va arriver, ça va arriver sale. Là-bas? Ah mais non, je suis con. Ah oui. Non. Quel côté faut arracher les... Attends, faut que je trouve avant. Voilà. Looks like he hit something in the feeder. Non, je peux passer, wesh. The inn. Thanks for the tip, dickhead. Bah, mais tu... Bah, ok. Ah putain, c'est bon. Allez, hop. Ah putain, c'est vrai que là, faut que je m'enlève tout seul. Oula. Oh, ça merde. C'est où par contre l'auberge? Ah, là-bas peut-être. Ah, c'est peut-être là où il avait égorgé le... Ah non, c'est là. What do we have here? An old tent, some abandoned stuff. Looks like someone just left it all and never came back. But why? Mais c'est vrai que je peux tout jeter. Putain, mais attends, mais ça fait combien de temps qu'il est là, l'enculé? Mec, il pêche! S'il te plaît! Attends, j'ai pas une lampe torche? Ah non, lui, ça s'allume tout seul. Ouais, comme par hasard, une tente de couleur rouge. Red. Ah putain, j'ai oublié comment on le disait en russe. Strana! Ah non, ça c'est pays, sale merde. Ouais. Ouais, mais non. Ouais, mais attends. Ouais, mais pas tout de suite. J'ai pas confiance. Mais ça met nous là. Attends, mais je me barre dans un autre jeu là. Ah, mais dans Rayman. What? The gate's closed. I need to find another way. Another way. Tu vas faire watch. En vrai, je préférerais, hein. Y a pas de mec qui veut m'assassiner. That mine shaft looks deep. If I had something that would enable me to climb down it, maybe it'd lead to the end. M'assassiner. I could try to go down this way, but first I need a stronger rope. Mine is definitely too flimsy. Too flimsy. I saw a tent on my way here. Maybe I can find something inside. Là, je vais se transformer en open world. Open world. Enfin, open world, non, mais. I should check the nearby tent. Attends, je vais aller voir ce qu'il y a dans les buissons du coup. Qu'est-ce qu'il y a dans les buissons tout petits là? Ah mais c'est vrai que j'ai ça. Oh là, oh là, oh là, oh là, allez. Ok. Ça va, vous voyez bien, le son est bon. Ouais, j'ai l'impression que tout va bien. Donc, je vais faire demander.
poor guy been hanging here. What? Strange that no one came looking for him. He must have fallen off that poor guy. The backpack is hanging loosely. I think I could knock it off with a stone. Oh, attends. Attends, je reviens les gars, juste chercher un verre. Boire la bouteille, ça va m'éclater la gorge. Salut Arthur et ça. Comment tu étais pas là tout à l'heure? Non, je t'ai imaginé. Peut-être. J'ai imaginé ta magnifique venue. Let's go. Let's go. Ok. Alors, y'a pas une pierre là, vite fait? Bah, si, y'a une pierre. Nya. Ah, le sac. Nya. Fuck. Il m'en reste qu'une. C'est possible. Ça va bien, et toi, boss? Ça va bien, ça va tranquille, regarde. Yes. C'est où ça? Je me suis mal mis, j'ai trop envie de caillasser des trucs. Pardon, pardon, pardon. Voilà, c'est bon, let's go. Il y a rien, attends, hop, en plus j'ai une petite paille. Quel bonheur. Ah, une corde. Yes. This will certainly come in handy. Ah bah oui. Bah oui, dis donc. Je suis désolé si des fois je tourne la tête un peu trop vite et que ça fait des espèces de mini freeze. Je peux rien, c'est même pas mon CPU qui prend, c'est juste le jeu qui est cassé un peu. Le puit. Hop. Bah oui, c'est bien connu, aller dans un puits profond, dans qui on voit rien, c'est un bonheur. Putain. Au revoir monde chaleureux, belle petite forêt et femme. Je rejoins le néant là, je vais voir les profondeurs un peu là. Oh j'ai eu, oh là là. Ça serait de mal dans des scènes par exemple. Par exemple, ah non, bah oui, c'est bien connu. Oh mon dieu. Oh, c'est parti les mines. Et du coup, M2, et bien c'était très très bien. Et du coup, c'était qu'une partie qui est vendue un peu cher, je trouve quand même. Pour 2h47, c'est 20 balles, je crois. C'est un peu beaucoup. Ou alors, c'est peut-être la partie 2 qui est encore en développement. Chez quelqu'un peut aller check sur Steam. Je sais pas vraiment comment ils ont goupillé leur truc. C'était court, mais c'était bien. Et du coup, c'est un peu cher pour le prix. Même si je vais pas payer. Mais ça, c'est bien connu. Mais franchement, non, non, l'horreur taille, pas de problème. Je mange ça matin, midi et soir. Enfin, pas matin, midi et soir, parce que j'ai envie de vivre, mais... j'ai vomi. Ah, non, là, j'aime bien ça. Ah oui, ça, c'est cool, ça. Yeah. Et hop. Ok. Oh, what? Ah mais oui. Ok. Ah oui oui aussi ce que j'ai pas dit pour ceux qui étaient pas là mardi, lundi, plus quand c'est que j'ai streamé pour le mois d'octobre. Ouais du coup en gros le vieux perso qui est dans les années 30, donc qui est dans la maison où on habite nous à l'instant T, y a de la merde qui s'est passée et il y a un espèce de fou dedans. Qui lui a forcé à venir dans une auberge. Ici, il y avait un boss fight. Et voilà. T'as fini le premier? Ouais, j'ai fini le premier. Et les rediffs sont... Enfin, là où les, je sais plus. Sont dispo sur le YouTube. Quoi, on met bien, c'est le titre de la nouvelle sextape. Ah, yes. Comme ça que je vais appeler la rediff, tiens. Faut que je sois. Faut livrer une auberge. Je t'avoue que... Oh enculé! Oh enculé de rouge! Oh viens là! Oh je vais te farcir!
très homosexuel, mais Ok. Comment il a pu m'échapper dans des ruines? Charred ruins. The Soviets want all of this country to look like that. Ah, c'est beau. Ah, la guerre froide, quel beau temps, sérieux. Ah, magnifique. Wow. Eh bien, pas dégueu le paysage. Très inclusive cette planche blanche. Eh oh, regarde, elle est entourée de planches noires. C'est bon, non? C'est comme ça que ça marche? S'il y a plein de 1, tu peux faire l'inverse. Serait-ce un puzzle? Y aurait-il une énigme? Serais-je à côté de la plaque? Probablement. Ah oui, bah oui, je suis à côté de la plaque. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, il n'a pas vu le casser. Le carreau Z. Serait-elle l'origine de l'incendie qui a radié ce lieu en cendres? Dire que quelque chose de si petit peut casser de si gros dégâts, peut causer de si gros dégâts, ça me fige la chair de poule. T'es en train de chasser un communiste là, s'il te plaît, je te rappelle. Donc la chair de poule, t'as pas le... c'est pas le moment. Oh yes, c'est bon. Oh, Pirates des Caraïbes 3. Un combo au sommet. Oh merde. Ok, attends. Aya. Wick. Wick bait. Eh non, franchement, c'est joli un peu. Genre, t'imagines ça en vrai, c'est... Mais pas dégueu, franchement, pas dégueu. Ok. Un tuyau. Tige métallique, je pourrais m'en servir comme levier. Peut-être même qu'elle pourrait soulever quelque chose aussi lourd qu'un coffre-fort. Bah d'accord. En quel honneur? Un coffre-fort? Mais j'ai pas vu de coffre-fort, moi. Si? Tiens, tiens, tiens. Mais attends, si, il y avait un coffre-fort, j'ai pas vu. Non, rien, on s'en fout. Peut-être que je reviens en arrière, là, je suis con. Oh non, on s'en fout, là. Là, hop. Non. Bah. Aha, ok. Progresse. Progresse plus. On a arrêté de progresser. On va faire un double salto dans le vide, là. Ah! Oh! Who is he? What did he hide here? Ok. Ah, allez. Et il va tomber. Trop facile. Trop facile! Oh non! Oh non! Oh fuck! C'est à ça que tu penses? What is this place anyway? What's in this damn safe? C'est vraiment à ça que tu penses. Pas au fait que tu... enfin, ton cerveau serait une crêpe. Genre une délicieuse galette bretonne. Maybe I can find something in this room. Il y a 200 possibilités là, c'est la merde. Ah, je peux pas essayer de Torycraft? Ah si, je peux. Alors... le point de Monex, dites-vous. Ok. Hop, et ben voilà, 1321 kilos, et oui, et oui, mon chiffre préféré, et oui, et oui, et oui, 6, 69, 60, merde, attends, c'est long pour faire des vannes, j'étais encore un canne à chiffres, marche pas comme ça, 1000, y'a pas assez, 1000, on peut pas mettre 10 000, non, pas 10 000 plutôt, bon, let's go. Attends, est-ce que mon année naissance ça marche?
Merde, on peut faire. Non, j'étais trop loin. Je suis pas né en 1902. S'il te plaît, dis-moi que ça marche. Mais allez, 1998, c'est la meilleure année du monde. Nique ta mère, on a gagné la Coupe du Monde cette année-là. Vas-y, c'est bon. Trop méchant. C'est ça, un tease dans Home Sweet Home. Ouais, mais enfin là. What? What? Oh, ça sent la course. Ok. Allez, hop. Hop. Attends, je crois que c'est une feuille. Une petite lampe. Ah ah. Oh oh, qui suit cette merde. It looks like someone noted the combination to the lock here. Which numbers do I need, though? Il y a un 2 et un 0, là, je suis pas fou. N'oublie pas, la réponse n'est pas dans le présent. Ah ouais, bah... Oh là 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 là, ok. Ah, faut la retourner dans le passé. Enfin oui, du coup, il dit trou de balle, quoi. Oh, merde. Quoi? Quoi? How the hell am I supposed to make anything out of it? Oh mais non, mais il y a des vraies énigmes là par contre, mec, il y a des vraies vraies énigmes. Ok, attends. Ok, alors déjà, le premier numéro. Ah, le premier. Comment je suis censé trouver là-dedans? Il manque une page en plus là. Mais mec, mais comment je suis censé trouver? Il y a trop de possibilités là. Les souligner, non? Les souligner? Ah ouais, là c'est souligné. Ah mais là aussi c'est souligné aussi. Ah mais attends, il y a tout ça qui est souligné. Ça fait quand même beaucoup de combinaisons à tester là, Hunter. 3905? Comment tu trouves 3905? Numbers from the notebook. Which ones stand out? Bah je sais pas gros. Chercher les chiffres qui sont pas présents? Ah peut-être. 3, 4, 3, 7, 2. Il n'y a toujours pas de 1. Donc la première ligne, il n'y a pas de 1. Si, ok, donc. Attends, si je. Ok, ouais, ouais, non, non, j'ai compris. Ouais, ouais, tu es bien fort, Arsène. Est-ce qu'il y a un 1, 2. Ouais, non, non, ouais, ok, ouais, ouais. Ok, ouais, bon, attends, on va commencer par le premier. Hein. 7, 8, 9, 4, 6, 3, 2, 2, 0, 6, 9, 2, 1. Il n'y a pas de 4. Si, il y a un 4. Putain, attends. Oh là là, c'est trop dur. Attends, il faut que je note ça. Faut que je note ça à côté. Parce que sinon, ça va être dur. Alors, 7, 8, 9, ok. 4, 6, 3, 2, 2, 0, 6, 5. Ok, allez. Faut m'aider, les potos, je suis con. Moi. J'ai passé le bac, mais c'est tout. Du coup, première ligne, c'est 5. 8, 1, 2, 6, 9. 1, 2, 9, 8, 9, 3, 1, 0. Ah, bah, c'est 5. Ah bah non mais c'est 5 tout le temps là. Non ok d'accord ouais c'est qu'une ligne et ok non j'ai ok d'accord. Ça aurait été trop compliqué sinon. Donc là c'est le... Bah c'est pas le 1. Donc 1, attends 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là c'est le 6. Premier c'est le 6. We don't fucking know. Et 3, 4, 3, 7, 2. Ça c'est pas le 1 ça? Si ça c'est le 1. Donc l'avant-dernier. Le troisième c'est le 1. Donc 6, 5, 1. Et là bah là on va deviner hein, c'est pas grave. Hein. Oui. Some of them will make up the cipher. Let's see. Merde. Alors. Ouais, donc 651.
Bah vas-y, on va tester, hein. Je sais pas si ça va le faire tout seul ou pas. Oh, rien, problème. Alors là, il y a un souci, les mecs. Là, il y a un léger souci, là. C'est pas normal. Je lui qu'est-ce que je loupe là? Le deuxième c'est 6. Non, le deuxième c'est 5. 1 2 3 4. Et pas de 5. Ah, d'accord, ouais, non, il y a pas de 5, donc deuxième c'est 5. Le premier pas de 6. Et le dernier? Le dernier, on sait pas. C'est en premier. C'est pas 6? Ah oui, il y a un 6 en bas, j'avais pas vu. Ah ouais, c'est vrai, bien, ouais. Du coup, 751. Enfin, là, on sait pas. Ah mais non, c'est le... Ah, si, c'est le dernier qu'on sait pas. Ah, là, c'est 1. Hop. 751, si on sait pas. Ah. Ouais. 7 en premier. Attends, je suis pas fou, c'est bien. Attends. Là, la page arrachée. Ah mais non, mais c'est le troisième. Je suis con, mais putain. Ouais, non, non, ma faute, putain. Du coup, c'est 75 et 1. 75, il y en a 1. Et là, on sait pas. Attends, mais là, il y a un problème, là. Comment ça, ça se déverrouille pas? C'est bon, là, j'ai le truc. Peut-être que je teste. Bah non, normalement, ça devrait tomber tout seul, là, non? Alors, faut que je... Bah non... Bah ouvrez le coffre mais Qu'est-ce que c'est là? Bah merde. Bah oui, le 1 en dernier parce que Bah non. Someone added a note in the notebook. The answer is not present. Looks like a hint. There's something missing. Ah mais attends, je suis con. Attends. Non, attends, je suis con. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, la page déchirée, c'est l'avant-dernier. Non, la page déchirée, c'est le dernier. Là, c'est l'avant-dernier. Oh. Attends, mais on va recommencer, hein. 7, 6, attends. 1, 2, 3. Je regarde la dernière ligne. Je vais faire la, par rapport à la dernière ligne. Oh, alors non, attends, c'est laquelle qu'on les a tous? Ah, mais celle-là, on n'a pas aussi. Ah, chier. Ah, c'est pas le 1? Attends. Mais si, il n'y est pas le 1. Il est dans une des lignes. Bah non. En dernier, c'est ni 0, ni 1, ni 2, ni 4, ni 9, ni 8. Attends, bah si on a les autres, si on a tous les autres, c'est bon. Bah la déchirée, c'est le troisième, c'est celui-là. Non, mais non. Non, non, regarde. La page déchirée, c'est celle-là. C'est la 4 qui est déchirée. Parce que quand tu tournes sur la dernière c'est la troisième. Non, c'est pas grave. Bah attends, mais on est con. Enfin, du coup, c'est bien 7, 5 blanc et 1. Mais le truc, c'est que. Ça débloque rien. Sauf que là, je peux remonter. Je peux pas, j'ai pas l'impression de remonter en plus. Enfin, de pouvoir remonter.
Non, ça sert à rien. Là, je peux rien faire. Alors, attends, faut que je mouche les gars. Couper mon micro, vite off. Ok. Test et fait terminer l'inspection à chaque combinaison possible. Ok. Du coup, 7, 5. C'est pas 0. Bah attends, t'as dit quoi? Ah non, mais en dernier, on s'en fout. C'est pas 1. Those numbers in the journal don't seem to be random. Maybe I should look for what could be missing. I'll take another look. Merde. Non, non, le 1, il est en dernier, il est en dernier, mec. Qu'est-ce que je loupe, BG? Parce que ça, c'est pour l'avant-dernier, donc pour l'avant-dernier, on est... Ah oui, non, c'est le dernier qu'on a pas. Non, bah non, non, je suis con, putain. Mais c'est Hunter, là, il m'a mis dans la sauce. Ok, 751, 1. Ok, donc c'est pas le 1. Je sais pas si par contre c'est un script. Je crois que c'est un script. Ou alors c'est juste de la chance. Parce que si le mec il me dit de retourner au livre... Mais je vois pas quoi faire en fait avec le livre. Ah bah si, ah non d'accord, ok. Non c'était juste... ok. C'est bon. Simmer les poteaux. C'était juste, fallait juste essayer en fait. The judge tried to strangle me, and he would have succeeded if it wasn't for. Donc voilà, là ça va être le spooky time. Le juge, il a essayé de m'étrangler, et il aurait réussi son coup dans l'homme au chapeau. Son coup dans l'homme au chapeau? What? Il a tué le juge Norton devant mes propres yeux. Il a tranché sa gorge. J'ai l'impression qu'il essayait de me sauver, mais pourquoi? Donc ouais, t'as le spook, et après t'as les explications, slash CIA. Non, c'est bien fait, franchement. Et avec des vrais énigmes, hein, un petit peu. Mais putain, mais... Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Dear God, is this one of the guests? I don't know. Les fantômes? Go get someone, he'll bleed to death. Press on the wound, I'll get help. The janitor is upstairs, room 207. Where are you? Who is this? Easy. Don't try to get up. Good lord. No one will ever talk me into a mountain trip again. There he is. What the fuck? Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Detective? You mean that nosy fop Walter Gilman? Holy mother of God! I have to telegraph the sheriff. No. This man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. These voices... There are so many of them. Wait, wait. I think I've heard this conversation before. Those people, they said that a certain detective, Walter Gilman, looked at the judge. Who the fuck was Walter Gilman? If he was interested in missing people from the area, he might know something about my father's disappearance as well. Maybe at the reception desk I can find out his room number. Donc ouais, voilà, c'est là où c'est spooky time. What? Ah, mais sympa les mecs, je vais m'en foutre. C'est là où c'est spooky time, du coup on a des... on a une lampe à kérosène. On a des allumettes. It was the janitor who usually kept the reception keys in room 207. Et beaucoup de peur. Donc en fait on peut pas tout le temps se défendre. John Norton, father's former associate. Mais en gros il y a des boss dans ce mode là. I've just witnessed a crime from a decade ago. What? I'm getting lost. Memories and illusions all bleeding into one. The missing judge. Someone has been looking. Looté dans la réalité, c'est... Ouais, c'est ça. Gilman. Enfin dans... là c'est la réalité aussi, j'ai envie de dire, mais juste en 1930 quoi. Il se passe des trucs à maxi chelou. Bientôt plus de fuel. Et c'est Lincoln en plus, ça. Ok, c'est fermé.
Ça met dans l'ambiance ou pas, Arsène? Ça va, t'es bien là? Et on peut allumer... M'en fous. Allumer des bougies. C'est pas vraiment des safe zones. Mais au moins t'es bien sûr. Moi aussi je pense à des trucs. Hein. Bah. Okay. Ah yes. Bon après ça va, tu vois, j'ai 16 de kérosène. Merde, tiens. Ça va, tu vois, ça, c'est... Le jeu, il est quand même assez sympa avec toi. Je sais en plus s'il y a des difficultés, mais... En tout cas, il est assez sympa avec toi. Il veut juste te faire peur. Pour le coup, il veut juste te raconter l'histoire et t'enculer un peu. Pas encore tout fouillé là-bas. Une clé. Oh! Ah oui, j'ai un lockpick aussi. Ah si, juste reculer un peu, ça va. Ah c'est bon, c'est bon. Oh là là. Alors je vais peut-être m'exprimer un peu moins sur celui-là. Déjà que je ne me prépare pas beaucoup sur l'autre. Lampe à cristaux de pyrite. Une lampe à cristaux de pyrite de la mine de mon père. Certains appellent la pyrite l'or des fous. Mais elle a fait la fortune des familles Hyde et Whitehead. Qu'est-ce que c'est la pyrite? On dira un morceau de gelée. Oh là là, il donne beaucoup de kérosène là, j'aime pas beaucoup. J'aime pas ça. Est-ce qu'il est en train de me dire que ça va être super long? Gentiment? Ok, je peux plus aller. Alors, je peux aussi aller en haut. Ah non. Moi, je peux aller en haut. Franchement, il y aurait quelqu'un derrière la porte, là. Là, je donnerais pas cher de ma peau. No, you're not alone. You're not fucking alone. Donc 15-16, ensuite ça monte, ok. Monsieur, chambre du concierge. S'il vous plaît, j'en ai besoin. C'est une trappe? Oh, c'est une porte. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont me donné... Ah! Merci les violons. A-t-elle été laissée là par un hôte? Elle dit quoi? Luc 8-17. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. Ok. Some booze. Fou. Jésus-Christ. Le pouvoir de Jésus. Ouais. Roberto d'un seul à côté, ouais, bah, voilà canon. Je pique comme sur CS, hein. Je m'en fous, hein. Je suis dessus. On est mort. Pourquoi j'ai pas pu faire un genre un gentil vendredi plutôt? Sérieux, je vais mettre ça en place. Je vais qu'à des jeux gentils. Genre faire un gros let's play à Dibou. Un vendredi gentil, tu vois. Ou genre jouer au à Nintendogs. Ça aurait été bien un petit stream de Nintendogs, non?
J'espère que vous aurez kiffé en plus. Mais non. Mon gros cul fait une en vrai 3D. Connard. Putain. De quoi? 5h à Caline des Pipous, bah carrément. Tu veux pas faire un dimanche comme. Un dimanche comanche? Ça veut dire quoi? Quel est ton mot? Quel est ce mot que je ne connais point? Guerre. Épée? I don't fucking know, and that's the problem. Je peux allumer le candélabre. J'aime bien le vendredi gentil, moi. C'est vraiment aucune agressivité, tu vois. Alors, du coup, 207, c'est où? Juste à côté de moi. Tant mieux. Ok. Donc là où il est allé. Eh oui. Bah oui. Non, c'est pas drôle. Donc là, c'est la 205. Ah, 210. Ok. Plus ou moins une safe zone. J'ai dit plus ou moins, on se calme. Ça fait qu'il n'y a rien. Ah ah ah! Trouvé! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y avait la même dans RE2, hein! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et le perso, ça l'inquiète pas plus! Lettre d'un des autres. Safe zone! Oui, oui, safe, oui, bon, c'était allumé, j'ai fait safe zone, quoi, c'est bon! Je me souviens de ne pas avoir fait une autre. Attends, pardon. Rembobine? Je ne me souviens pas d'avoir fait une chose pareille. Pourquoi est-ce que je dérangerais les autres? Je sais bien que si je faisais quelque chose comme ça, mon père m'enfermerait dans le noir pendant des jours. Sombre fils de pute, c'est très très long, je ne vais pas le lire. Hop, j'allume la petite vierge... j'allume la Vierge Marie. Grosse salope. Y'a pas un gun là-dedans, là? Ah, kérosène. Je veux dire qu'il y a rien là-dedans. Putain. Okay. Je glisse un petit peu avec mon pull. Après tu vois que ça tombe... Oh putain. Merde. Tu vois que ça met un peu de temps quand même avant de plus avoir de kérosène. Genre ça va, tu vois. Ça va être fermé. Une grosse biche. What? Où c'est une grosse biche? Est-ce que t'appelles la Vierge Marie une grosse biche? C'est comme ça, les années 60. Bah ouais, t'as pas vu... Comment il s'appelle le film avec Hitchcock? Merde, putain, je vais faire une vanne. T'as pas vu les oiseaux? Je crois que comment il s'appelle. Ok, donc là, bah, il est ici. Damn, there's a chain. Non, ça c'est trop facile. Ah, le jeu, tu m'as eu plein de fois, mais là c'est facile. Maybe I could use it to cut through the chain. Après, peut-être qu'en full screen, ça m'aurait eu. Je dis pas. Après, le son est peut-être un peu bas aussi. Non? Attends, je vais l'augmenter un petit peu. Si ici il passe au-dessus de ma voix, je baisserai instant, mais... Chaîne aussi. Ah ah! Hop. J'ai l'impression que ça sera un petit peu mieux pour vous. Désolé! Oh, attends, j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Fuck. Bon, y'a rien. Rien d'intéressant. Ça, je prends. Ah non. Merde. Hop. Ça a un de remplir à fond, par contre, ça c'est dommage. Parce que tu te rends compte que la lampe, elle utilise plus.
Enfin, que le kérosène il remplit plus la lampe qu'elle peut en contenir en fait. C'est con, c'est ce qui est con du coup, mais. Ok, y'a rien. Ah, it is closed. Ah! Mais c'était bien là la petite exploration, c'était sympa. On s'amusait bien, c'était du fun. C'était du fun. Allez vers le sang en bas. Ah, j'aime pas. Ah sa mère. Bon bah là tu m'as eu. What was that? Where did it try to drag me? To hell, baby? Christ, what have I gotten into? Some fucking dark shit, my boy. Oh là 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 là, je vais tout pomper mon kérosène. Hein. Oh mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle est migration, elle faut manger un peu plus. Ah faut prendre un peu de rabat à la cantine. Hein. Je veux vrai. I've got the power of Jesus. You can do shit to me, lady. I'm invisible. Nya. Non. Je ne veux pas. Non. Putain, mec, le jeu il arrive à m'avoir à chaque fois. What? In memoriis Patrice Sanctu. Sanctu pas beaucoup là, Sanctu moyen frère. Qu'est-ce que j'ai fait? What? Ça c'est un peu bégué ça. Ok. Ok. Bon, y a pas de reflet mais ça typique. Rien. Ça se voit que la truc va être longue parce que vraiment il donne beaucoup de kérosène. Alors c'est pas plus mal, je peux pas cracher dessus. Non. Mais non. Mais mec, je l'ai fait. Oh, faudra que je regarde sur la rediff. Est-ce que quelqu'un peut faire un clip ou même, enfin je regarderai. J'ai lancé la croix, ça a tapé là, si j'ai mis dans le seau. Oh mais je suis trop bon sérieux. Oh je me mérite pas. Oh quel crack. Bon je suis perdu. Mais mec, mais j'avais pas vu. Mais c'est trop bien. Hop, et même la chaise dedans. Ah mais c'est le petit loquet. C'est pas un peu péché de faire ce genre de truc avec une croix? Pas un vrai, c'est dans un jeu, hein, ça compte pas. Hein. C'est dans la vraie vie, je l'ai pas fait. Hein, dans la vraie vie, je suis gentil, moi. Hein. Bah, attends, parce que là, je suis un peu bloqué là. Chercher la chambre 208. C'est pas 207 à la base, BG. Je comprends, mon pot. Ah, mais attends, il y a ça qui coince. Ah, bah non. Pff, pas du tout. Attends, parce que là, je suis kéblo un peu là. Tout est fermé là. Attends, en attendant. Ouais, c'est fermé. J'emballe, j'ai tout fouillé là, non? Bah. Est-ce que quelqu'un voit un truc que j'ai oublié? Parce que là, je vois pas. Peut-être que je passe dehors? Bah non. Oui, mais fauteuil, c'est bien, beau fauteuil. Enfin, de toute façon, faire n'importe quoi avec une croix, c'est péché. Je pense qu'écrire. Il écrit Machel là, ce con, je crois. Je sais pas, un passage secret dans la cheminée.
Non. Sauf ça fout dans le cul, ah bah non, ou dans le cul des gosses, ça va encore. Ah non, c'est bon, ok. Non, mais c'est moi qui ai pas vu. Enfin, j'avais peut-être pas envie de voir en fait. Oh là là. What the hell is this? Looks like a slaughter. Good God. Something's wrong here. I'd better grab that tool and get out of here. Un magazine créé par les patients d'un hôpital psychiatrique. Dans de nombreux endroits, les patients ne peuvent même pas rêver de ce genre de luxe. Ils sont attachés à leur lit et on leur fait manger de la bouillie. Beaucoup ne survivent pas à leur séjour. Et ceux qui y survivent... Et ceux qui y parviennent ne redeviennent jamais vraiment des hommes libres. Ça devait être considéré comme une grande chance de pouvoir sortir d'une telle institution. Tu m'étonnes. Ouais. Yes. Oh là là là. Ah oui, mais en effet, mais c'est pas un massacre là qu'il y a eu. C'est une maxi boucherie. Au sérieux. Ok, je sais pas. Y'a quoi là-dedans? Oh, ça c'est gratuit. Oh, une petite moufette. Oh, t'es mignon. Ah oui, là c'est. Là faut pas que je spam, mais faut que je fasse ça. C'est un furet. La même chose. Je suis fort en animal, ok. Une moufette. Ça ressemble à quoi une moufette? Ah mais c'est un Pokémon une moufette, ça existe pas dans la vraie vie. Si? Merde, je sais plus. J'ai un drame de billard des moufettes aussi sur Pokémon. Si non mais merde. Mais une moufette c'est un putois. Quoi? Quoi tu parles? Un peu que tu parles? C'est des trucs qui te pètent à la gueule. Ah, un putois. Ouais, ça je connais, ouais. Arrêtez de m'embrouiller l'esprit, hein. C'est facile aussi, hein. Vous êtes là avec tous vos IQ. Et ouais, je suis là, je comprends pas. C'est facile, hein. Ah, c'est facile. Allez. Oui, bah là je suis concentré à pas avoir peur et pas mourir. Pas à être intelligent. Ah. And the guests, from what I can see, are sure to cause trouble. En même temps, c'est des fantômes, j'ai l'impression. Y a rien. Et on peut sortir. Oh ta mère. Rigidité cadavérique, c'est ça? Ah bien bien. Bien bien cadavérique, j'ai cru cligner des yeux. Alors. Et Queen du doigt, ah, yeah, ça arrive. Je suis désolé pour ce malheureux. Il s'est tourné vers la boisson pour rester sain d'esprit. Je sais pas finir comme lui si fantôme ne me laisse pas en paix. Faire ce qu'il dit. Monsieur Jacob continue à me dire d'arrêter la bouteille. Il dit que je vois des choses. Mais je jure que tout est vrai. Je bois parce que j'ai peur. Et ça, c'est pour vrai encore maintenant. Hein. Les gens boivent parce qu'ils ont peur. Ouais. Des impôts, de leurs femmes, de leurs gosses. Quelque chose se cache dans ces forêts. J'ai entendu des cris inhumains dans les arbres et des hurlements dans les grottes. J'ai vu des traces de griffes sur l'écorce. Monsieur Jacob me dit calme-toi pour Evogne. Bon, Evogne, tu vas te faire peur aux autres. Et s'il devait vraiment avoir peur, combien de gens sont allés dans la forêt pour ne jamais en revenir? Ah, il a vu Blair Witch aussi. Hein. T'es bien le jeu. Mon dieu, je suis pas nouveau à entendre les hurlements. Je ne trouvais pas le repos ce soir, je ne prends pas un verre ou deux. Et The Keys. Jeu de clé. La chambre 106, au couloir maintenant, deuxième L2. Okay. C'est facile, gros, c'est facile! Il était sur le stream. Oh putain, non, merde. Si le botru va avoir une tension style. Et franchement, Périlleux un peu là, non?
Oh là. Twitch de 1930. Ouais, Justin TV, Arteris. J'ai pas la clé. Ouais, j'ai pas la clé. Ah, bientôt bitule. Bon, je vais tout mettre, mais... J'ai jamais trouvé... Mais non, mais mec, il traverse comme ça, genre, genre au calme, genre c'est un mur. Enfin, genre, il marche sur un mur. On nous marche sur la tête. Ça fait super mal quand on se fait marcher sur la tête. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas testé, mais... Hein. What? Ah. Ah, mais attends, derrière. Il marche sur un mur. Oui, bon, c'est Spider-Man, et vas-y, yeah, Elise Pouvert. Bouh. Ah. Je le savais. Is this a ghost? Putain. Je le savais en plus. Putain. En plus j'ai crié comme dans Pirates des Caraïbes, sérieux. Ah. Oula. Ah. Ah. Do not do the big opening. But I need to. My dude. I need to open. On dirait que le concierge avait un sérieux problème avec un de ses hôtes. W. Ce sale Terra a voulu me faire sauter. What? J'ai réussi à maîtriser ce salaud et l'enfermer dans une des chambres. Que Dieu veille sur vous. Si jamais vous avez besoin d'entrer dans l'LB, la combinaison de cadenas est. Anger. Bon bah. Let's go. Hein. C'était déjà sur le. Putain, j'ai la clé. Qu'est-ce qui se passe? De la musique. Donc là je suis là, il faut que j'aille dans la 206 qui est pas loin. Okay. Attends, je vais reprendre un petit cible parce que avant que je flippe. Il y a un truc qui brille là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça brille vite? Je sais pas, pas là où. Ah mais c'est terrifiant. Il y a un par terre. Non c'est juste... Salut Nick Nick. Comment ça va Nick Nick? Moi pas super. Ah mais si, bah oui, mais si, ok, c'est pour ça que c'est... Oh putain. Ah mais je peux la lever. Ah d'accord. Bon je sais pas si ça sert vraiment à quoi, mais moi non plus ça tombe bien. Ah bah merde, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive quand j'arriverai à passer? Qu'est-ce qui t'arrive, Nick Nick? Ah, mais... Non, on peut voir devant, mais ça n'a aucun intérêt. Mon dieu, non seulement ce fou a voulu l'uniforme d'un soldat de l'Union et tuer trois personnes innocentes, mais il a aussi planifié l'assassinat du président. Heureusement, il est mort maintenant, mais il aurait pu le tuer. John, tout s'est passé comme prévu. Oui, mon cher frère, nous avons atteint la phase finale de notre chef-d'œuvre. J'ai réussi à me procurer l'uniforme d'un soldat de l'Union et à atteindre les contrées nord du Massachusetts. Sur mon chemin, j'ai abattu trois traîtres de notre douce patrie. Ces salauds de... qui crachent sur notre drapeau. J'ai dû me perdre dans les bois locaux. Cependant, et au lieu de l'OL, je me suis retrouvé dans l'arrière-pays. Heureusement, Dieu m'a guidé jusqu'à une auberge abandonnée où je fais les derniers préparatifs en disant mes prières. C'est ce que tu veux dire? C'est ce que ça veut dire?
Oui, Dieu est notre côté, mon frère. Lui aussi veut que notre travail porte ses fruits. Les jours d'Abraham Lincoln, ses disciples maudits sont comptés. J'espère que tu as atteint Montréal sain et sauf. Je fais confiance à Dieu pour te protéger de la même façon qu'il nous protège. Dieu bénisse les confédérés. Et Jefferson Davis, si je peux. So, the Union uniform was just a disguise. It's all getting more and more mysterious. Ah, juste un, ok, d'accord. Juste le boulot, c'est de la merde, quoi. Bah. Ah, c'est dégueulasse! Ah, mais il a plus Dieu en fait! Ah oui! Je peux récupérer ça ou pas? J'ai combien de 44? Ok, faut que je fasse attention. C'est ça de quoi? J'ai pas entendu! C'est salaud de. Voilà! Je l'ai dit, mais t'as pas entendu en fait! Ouais, oh. Ah. Ah. But what is this? These damn roots again. They seem too tough for me just to break them. Hello, happy world. My bare hands. I need some kind of sharp tool. Not so happy anymore. What the fuck did he go? Where the fuck did he go? Fuck! What? Ok, c'est bon, ça just get up and walk away. Ah! Let me go! Help! Mais il y a une bombe! Help! I will relieve you of your life, you Yankee bastard! You can't stop me! I ain't even Yankee, no! Ouh! Ouf! Ah bah, blindant, tu as plus les yeux là. Éteins la mèche, éteins cette mèche de merde! Souffle dessus. Mets-toi dans le cul, je sais pas. Fais un truc. Ah bah ça marche aussi. God dang. Cet homme étant pas là aussi, mais chacun s'est pour essayer. Oh mon dieu. Oh j'ai rep. Ah mais j'ai repeint le mur. Ah j'ai. Ah oh oui. Oh. Des cisailles, oui. Oh, c'est bien fait! Oh, c'est bien fait! Ça va, c'est pas dégueu! Hein. Pelé Dermino serait fier de toi, ah, bah mon gars, bah là y'a plus qu'à maroufler, c'est bon hein! T'as une pièce toute neuve hein! On coupe ses racines du cul! Bah. Merde! Ah, hop, une. Deux. Et 3. Je sais pas du tout c'est des racines de quoi, mais apparemment d'enfer. Littéralement de l'enfer. Ah, ok. Le bord de George, ok. Attendez, juste vite fait, je fais un truc. Pardon, je sais, vous m'en voulez. Je me déteste, merde. Hop. Voilà, pardon. Ok, George Whitehead. Juste fouiller avant ce qu'il y a à côté. J'ai vu que là-bas c'est fermé. Ah oh, putain, faut. Eh oui! J'ai même pas fini de carré, moi, monsieur! Non, ferme! Ok! You were supposed to check every possibility, Norton. Je pense que je vais me faire attaquer pendant, donc. You should know how to bend the law without breaking it. The contract states you can both hand over your shares without each other's consent.
I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit me, and that his demented spawn would sneak into the mine. What do you expect? The brat cannot inherit. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing. Did that really happen? Did they plot against my father and me? Ah, les bâtards. Quelle bande de chacos. Ok. C'est ouvert? Non. 45, il me reste bougie. Enfin, allumette. Oh oh! Jeu de clé. La réception en chambre 107 et 208. Tout ce qu'on doit faire, c'est aller à la réception desk et trouver Gilman dans le registre de guest. Du peuple là, on s'en fout. Et là? Merde, ferme. Oh, de la bonne bouse. Juste voir s'il n'y a pas de... Si, voilà. Hop. Ah ah! Une coupure de journal. Ouais, ok, merde. Mercredi 13 septembre. C'est bon, c'est bon aujourd'hui. 1854, Blackstone, New Hampshire. Le lundi 2 septembre, le shérif a émis un mandat d'arrêt pour Jacob Hyde, un propriétaire de mine et d'auberge. Hyde est accusé du meurtre du juge John Norton, qui, grièvement blessé, est décédé à son arrivée à l'auberge. Récompense de $100 est offerte. Eh bien, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est bien. Oh, y'a un gun. Ah non. Oulou. Krugel forme Stingen. En jugé par description que son frère en fait, Henry semble être du genre mélancolique typique. Ça fait... Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne voudrais pas sauter aux conclusions et affirmer qu'il s'y suicidait. Trop de gens ont disparu dans la région, tout n'était pas aussi sensible. Ah oui, c'est bon aussi. Et là, il me reste un petit. Hop. Et bien, on peut se casser. Ouh, elle fait loupée. Voilà. Mais... Ah, sa mère. Où, là c'est bon, ça me suit plus. Je vais pas le cri de ce monstre de la vache. Putain, bah, je préfère pas le rencontrer, sérieux. Madeleine, qui pouvait être cette personne? Une femme qui séjournait à l'auberge? Elle aurait oublié de prendre son collier dans sa chambre. Dégage. Ce sont des diamants. Il doit avoir coûté une fortune. Et ce Jacob. Tiens, un Jacob qui a des diamants. Ah, étonnant. Gratuit. Qui était-il? Mon père ou un des autres? Si c'était mon père, hein, cela ferait de Madeleine ça. Non, je ne veux pas y penser. Oh merde, misclic. Et misclic. Voilà. L'homme à la kippa, le fameux. Pour ma douce Madeleine, Jacob. Oh. Non, c'est juste un plaid. Si t'avais une épée qui faisait trois fois ta taille, je suis certain que tu voudrais l'inviter à prendre le thé. J'irai pas jusqu'à prendre le thé. Par contre, lui foutre mon épée dans la conche. Oh oui, oh oui, la conche. Ah, oh, dans la conche. La concha. C'est-à-dire la coquille en portugais. Ou brésilien. En brésilien, je crois. Oh la con, je crois. Ah la coquille, et voilà. Voilà, j'apprends des trucs. Je peux maintenant dire que ce stream est éducatif. Et oui. J'ai oublié de... Non, c'est bon, j'ai oublié de... Oh, oui. M'en fous.
Fermé, fermé, tout est fermé. Ok. Là, y a rien. Cet homme est terrifiant. Ah, il s'est tombé derrière le trou. Ok. Au bois. Qu'est-ce que tu fais là, toi? What? Ok, bon. Je vais la recharger, hein. Bon, ouais, let's go. Let's go, let's go, let's go. Faut que je fasse une Spider-Man ou faut que je tombe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... quoi? Ouais, mais non, c'est la merde! Ah, c'est bon, ok. Ok. Quoi? Ah! Tout va bien. Ok, ça c'est l'objectif. Je vais voir ce qu'il y a avant. Ah, pff, merde. Bonsoir. The detective was staying in room 203. That's upstairs. It looked like he never checked out. There should be a spare key somewhere. Oui, je sais où aller, Juste, je vais récupérer le loot avant. C'est quand tu dis que tout va bien que ça va mal. Ouais, ouais, carrément. En fait, le jeu, il te laisse jamais en haleine. Et ça fait mal. Des fois, rarement, il est prévisible. Là, franchement, je venant d'ici, tu vois, je l'aurais pas vu venir d'ici, tu vois. Du coup, ça m'a eu. Surtout quand t'arrives devant l'objectif, tu es bon, bah, vas-y, tranquille. Jesus. The key for room 203 is missing. Oh, c'était quel clic que j'ai ramassé? I can get there from room 202. I must find out how much Gilman knew. Hein? Alors? Alors j'ai... enfin, alors Alors je veux dire What? Attends, faut monter, mais ouais, ça va tout fermer de toute façon. Non, il y avait. Non, il y a des. Il y avait des trucs. Oh là là. Comment il fait pour pas que ça se casse la gueule? What? Il y avait un truc là, je suis pas fou, hein. Oh là là. Oh, je commence à devenir complètement fou. Je peux l'avoir? Non. Oh, monsieur, il y avait la connasse. Ah bah d'accord. From 202, I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Oh putain. C'est en face 202, non, je vois pas. Elle fait juste des allers-retours, elle. Ah! Ah bah d'accord! Ok! Bon bah moi c'est pas flippant! Moi je me fais ouais! Yes, let's go! Je suis content!
Par contre, comment... C'est c'est radical. Par contre, comment je vais la passer sans pouvoir m'enfuir? Parce que si elle me touche, je meurs. En fait. Merde, putain, j'ai encore mes clics. Eh, sérieux, j'en ai marre. Voilà. Parce que... Alors je peux me cacher. Ah bah non, je peux même pas me cacher ici parce que. Parce que non, c'est le scénarium, oui. Quickly, I need to hide. Ce que fait des vieux allers-retours, mais genre je suis en bas. Comment Tu penses qu'en me mettant là dans le coin ça marche? C'est chelou, non? Enfin, je trouve ça bizarre, non? Need to know how much he has found out. Je t'encule, moi. What? Ah, 202, c'est en face. Oh, attends, tu crois que ça marche? Ah putain, je peux pas récupérer le candélabre. Ah, tu crois que ça marche, ça? Cake. Bah, tant mieux que ça marche, quoi. Non, ça, c'est 201. What? Ah, c'est juste sur le côté. Non, oh mais non, je l'ai vu trop tard. Oh putain, je l'ai vu trop tard. Oh, je suis trop con. J'ai eu trop d'argent pour la fermer. Merde, je viens de découvrir, c'est encore une idée. Une idée à vous, les points Godwin. Ouais, 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 c'est les points de chaîne. Les points... Vu qu'on peut renommer les points de chaîne, on a fait les points Godwin. Voilà, classique. Et à 99K, on devra lâcher une caisse. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est un nouveau truc sur Twitch. Bon ça, je peux sprinter, c'est tranquille. On part un petit coup. Attendre qu'il revienne, on va y aller. Ah, putain, j'ai un bouton en plein milieu du visage. Enfin du front. I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Ok. Apparemment, s'il y a un autre chemin, bah STP que STP non. Okay. Gilman, open the door. We need to talk, just you and me. Greetings, Mr. Hyde. Cut the pleasantries. I know what you're up to. I don't really know why you're so upset. I really... You aren't the only hack who thought he could sniff out a scoop. But I'm not looking for a scoop. I just want to sort this out. There's something unsettling going on in this charming little corner of the world. So many people have gone missing, including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please, that's my sole motivation. You can shove him up your ass! You want to prove I'm responsible for his vanishing, because you're just desperately looking for a story that will get you publicity. The word publicity sounds strange, coming from someone specializing in sweeping things under the rug. Oof. 2 years have passed since the incident in the mine, and many things still remain unclear. People lost their lives, many others have gone missing since, and you act like it was just a minor incident. It was an accident. A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business, that's all. Oh.
C'est tout? That's not je suis une capitaliste. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, oh, ils ont dû réveiller un truc à la con encore. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. You hear me? Ah, voilà. I hope the detective left something here. Encore un esprit de à la con. Non, ouais, si. Non. Non, m'en fous du livre. Je sais pas dire. Voilà, hop. Ok. Alors, lors de son enquête sur le juge disparu, le détective a découvert que beaucoup de gens disparaissaient dans la région depuis l'explosion de la mine. Il a commencé à soupçonner que la personne responsable pourrait être mon père, Jacob Hyde. Il a même visité la mine pour chercher des indices qui enfermeraient mes soupçons. Tiens, la mine. Blablabla, ouais, c'est... Il résume de toute façon. Ouais, c'est ça, il... The detective went to the mine that day. Nobody knows if he ever came back. I must retrace his steps. There may still be traces of what happened back then. Ok. I vaguely remember the accident, but... Gunpowder barrels? Missing people? What's happened here? My father was a cruel man, I can't deny that. But would he be capable of killing in cold blood? I guess I'll have to go down into the mine. Great. That's just great. It's locked. I should look for another exit in this room. Oh non. Oh, j'aime pas ça. Oh, ça pue du grave du yonf là. This can't be real. Oh, ça pue du con. Ça pue du con. Oh, ça pue du cul, sérieux. Oh, j'aime pas. Bon bah, quand faut y aller, hein. C'est parti dans le BDSM, hein. I must have lost my mind. Oh, c'est giga stylé. Pas sauter. Dommage. What? Ah, c'est bien éclairé, donc pas besoin de lanterne. Même le son, il fait peur. Is it only in my head? Je sais pas. C'est gentil chez vous. C'est bien décoré. Bien éclairé aussi. Très très chaleureux. Je suis là. Ah, ok, donc escalier est pas loin. Merde, putain de chaîne à la con. Je pense que je vais m'arrêter quand j'arriverai dans les mines. Le stream, hein. Ça fera une bonne partie, puis bah, je reprendrai sur un autre Friday. Enfin, continuera une prochaine fois sur un autre Friday. Ce jeu en première partie. Clairement. Parce que je pense qu'il est pas encore. Il est loin d'être fini. Enfin, j'espère. Parce que je m'amuse. Pour le coup, je m'amuse vraiment. Je me chie dessus, hein. Mais c'est du bon. C'est du bon chiage, tu vois. C'est tout droit là, non? Oui, bah oui, forcément. I think I'm going mad. Ouais, là, je pense que, tu vois, l'alcool, ça serait pas de refus, tu vois. Dans le dos, obligé, dans le dos, ce sera facile. What the fuck is that big ass shit? Quoi? Mais non! Mais dépêche! Oh là là! C'est bon?
Oh sa mère, ça c'est pas bon. Oh c'est pas bon du tout. Oh mais 8 TP. What? Oh là là. Ok, c'est bon, c'est bon. I have to run. Ah! Je l'ai pas esquivé. Ah, oh, je l'ai esquivé qu'à moitié. Ah, oh, fais chier. Je veux dire, Inhuman Reaction. Ouais, 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 bien, bien, t'es Inhuman Reaction. C'est moi quand j'ai faim, ça. Tu fais ça une fois à l'IRL, je te tue pendant ton sommeil. Vraiment. Je rigole pas. J'ai un canif. Ah! Oui, 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 oui. I have to run. Ça fait très Uncharted et j'aime beaucoup. Ah, jokes on you, je dors pas. Eh merde, enculé. Arsène est donc un fantôme. Oh, what? Oh là là, c'est trop stylé. Ouais, c'est pas par là. Mais il est gigantesque, putain. Toujours derrière. Oh là là. Ok. Enfin que le changement de zone, il est comme ça, parce que sinon ça serait vraiment un jeu chiant. Et pour le coup, c'est plutôt sympa. De plus sentir son cœur battre et d'avoir 250 BPM d'un coup. 0-250, tu vois. Aussi improbable que cela puisse paraître, le journal de Nicolas m'a aidé à briser les codes soviétiques. Mais ma joie s'est avérée de courte durée. Dans un rebondissement inattendu, j'ai dû traquer un espion et essayer de trouver des mouchards cachés en chemin. C'est ainsi que j'ai atteint les ruines d'une ancienne auberge où je suis tombé sur une autre collection de mémoires glaçant de Hyde. Puis je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait quand même 4 heures de stream. Enfin, j'aimerais bien arriver. Ok, bah c'est bon, ça sauvegarde. Je pense que je vais m'arrêter là, puis on prendra. On reprendra sur une touche calme, si je puis dire. What the fuck is going on? Where am I? Parce que ouais, ouais, là ça commence à va chier de son côté. Ok, ouais, non, ça va être bien. Did someone knock me out when I was at the ruins? But why would they drag me here? Oh oui, ça commence à chier. And how am I supposed to go home? Oh, ça a bien commencé à chier. Bon bah du coup, bah, je vous remercie d'être passé les potos. Hein. Merci d'être venu, merci pour les petits subs. C'était très très sympa, j'ai bien aimé. Hop, quitté. Ah non, pas à toutes. Moi, j'ai fini. Là, je coupe le stream. Hop. Voilà. Hop, autre. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai bien aimé la soirée, c'était bien. Ah, dis ça à tout le monde. Ok, pas de problème. Désolé, j'ai pas trop causé la deuxième partie, mais c'était cool. Oui, du bon problème. Mais ouais, non, bah du coup, je sais pas, peut-être la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, je peux pas. Semaine prochaine, je peux pas trop parce que c'est 8 novembre. Oui, c'est, on est en 8 novembre, il y a Death Stranding qui sort. Du coup, ça va être un peu compliqué. Mais prochain Friday que je peux faire, ce sera ça carrément en direct. Et du coup, si demain c'est Spider qui stream. Alors sur quoi, je sais pas. Mais voilà, bah, vous savez. Et puis voilà, peut-être une petite musique et puis je vais vous laisser. Hein, petite musique bien. Tiens, voilà. Hop, voilà. Allez.